Notre texte pour aujourd'hui se trouve au psaume 27, à la page 555. Euh, un psaume de David. Je lirai le psaume dans son entier. Nous allons euh, nous concentrer particulièrement sur le verset 1, mais euh, dans le contexte de, de l'ensemble du psaume. Donc, écoutons ensemble la bonne parole de Dieu. De David, L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Quand, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon Père et ma Mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs, ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et l'on ne respire que la violence. Aussi oh, je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère l'éternel. Prions. Père céleste, nous te remercions pour cette magnifique parole, ce psaume si excellent que tu as placé dans les écritures saintes. Merci d'avoir conduit David qui a écrit ces lignes sous l'inspiration de ton Esprit Saint. Merci d'avoir placé ta lumière dans ce psaume. Et maintenant, nous te prions que cette lumière, cette espérance, cette confiance puisse nous être communiquée par ton Esprit Saint dans nos cœurs. Que nous puissions, à la suite de David, dire avec joie, avec confiance ces mêmes paroles, que nous puissions en vivre. Donne-nous par ton Esprit Saint d'être soutenus puissamment, d'être fortifiés, d'être encouragés, d'être guidés dans tes voies sur ton sentier. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, à notre Seigneur et Sauveur, quelle belle parole, n'est-ce pas? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur Cette parole, cette simple parole, nous communique un sens de victoire et de liberté qui se trouve en Dieu seul. David prononce une belle confession de foi qui nous rend capables aujourd'hui d'affronter la vie avec ses défis, avec ses contrariétés. Même en temps de crise, même devant les pires menaces qu'on puisse imaginer sur la Terre, cette parole nous permet de regarder à l'avenir avec confiance. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur Et ce psaume, en fait, euh, nous permet d'avoir même non seulement un, mais deux chants dans notre recueil basés sur, sur ces paroles que nous connaissons bien, des chants que nous aimons bien. Cette parole n'est pas seulement pour David, cette confession de foi est pour toute l'Église, pour tous ceux qui ont trouvé grâce et refuge en Jésus-Christ et qui marchent par la foi comme David l'a fait. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à faire nôtre cette parole, une parole qui proclame la foi victorieuse de la peur. La foi victorieuse de la peur. David commence par une déclaration victorieuse suivie d'une question audacieuse. Donc, c'est les deux parties que nous aurons aujourd'hui, mais nous verrons ces deux points dans l'ordre inverse. Nous allons commencer par. Regardez la question audacieuse de David et ensuite nous verrons sa réponse victorieuse. La question audacieuse, quelle est-elle? De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Voilà la question audacieuse. Comment David peut-il dire une telle chose? Comment peut-il avoir l'audace de poser une telle question? Cette question n'envisage pas seulement le présent, elle englobe l'avenir. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain, comme David ne savait pas tout ce qui lui attendait le lendemain. Les plans du Seigneur nous sont inconnus, comme dans le cas de Job, qui ne savait pas ce qui allait lui, lui arriver quand les malheurs lui sont tombés dessus. Comment alors pouvons-nous lancer aussi bravement cette question audacieuse de qui aurais-je peur? si nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur, mais qui sait pour demain, qui sait pour l'avenir. Et peut-être même qu'aujourd'hui, j'ai peur pour demain. Voilà donc une question pleine de courage, pleine de confiance, peu importe les circonstances connues ou inconnues. David dit au verset 3, Si une armée donc, là, il, il envisage des situations concrètes. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Parler aux, aux soldats qui sont allés à la guerre, combien d'entre eux peuvent-ils dire une telle parole audacieuse lorsqu'ils sont au front? Mon cœur n'aurait aucune crainte. Certaines personnes sont capables de contrôler leurs émotions et ne rien laisser paraître, du moins, au moins extérieurement, de faire semblant qu'ils sont en contrôle. Mais notre cœur, comment calmer notre cœur pour qu'il soit sans crainte? Peut-être on, on, on fait semblant d'être fort, d'être en contrôle de notre situation, de notre vie, de nos circonstances, mais... À l'intérieur, que se passe-t-il Sans crainte, un cœur sans crainte. David se fait-il des illusions ou il nous raconte-t-il des blagues Ou est-ce la vanité de l'orgueil qui parle ici Ni l'un ni l'autre. Rien de tout cela. David n'est pas rempli de lui-même, ni d'arrogance, ni de semblant, hypocrisie. Il est rempli du Saint-Esprit. Il dit cette parole remplie du Saint-Esprit. Il y a des gens comme ça qui se disent courageux quand aucun danger n'est en vue, mais quand vient la menace, alors là, euh, c'est la trouille. Quand vient la souffrance, la peur de faire rire de soi, quand il faut payer le prix d'être disciple de Jésus-Christ, là, les choses changent et la peur s'installe, le manque de courage là, euh, devient apparent. Les belles paroles s'évanouissent. C'est au milieu de la tempête qu'on mesure le véritable courage, pas quand il fait beau soleil. Donc, cette question audacieuse n'est pas motivée par une confiance aveugle non plus, purement naïve. David ne se berce pas d'illusions, il est bien conscient de se trouver au milieu de la tempête, il sait qu'il y a des ennemis autour de lui euh, qui ont rôdé de très près. Verset 2. Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Alors certains adversaires se sont approchés de lui de très près, dans la caverne par exemple. Verset 12. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et l'on ne respire que la violence. Donc, David savait de quoi il parlait. À quel moment David a-t-il écrit ce psaume? Était-ce avant de monter sur le trône, quand il était traqué par Saül jour et nuit? Était-ce plus tard, durant la révolte de son fils Absalom, qui l'a poursuivi aussi, ou bien pendant ses guerres contre les Philistins? Nous ne savons pas, le texte ne nous le dit pas ici, et en fait, peu importe pour nous. Euh, nous savons qu'il avait des ennemis, qu'il a eu des ennemis à multiples, de multiples reprises, et ces ennemis ne respirent que la violence, dit-il, et veulent dévorer ma chair, ajoute-t-il. Ils prennent plaisir à lui causer des ennuis jusqu'à vouloir sa perte. Ils ont soif de sang et cherchent à le dévorer. Et devant la menace, alors David pose courageusement sa question audacieuse de qui. Aurais-je peur? Son combat, remarquez bien, il est livré premièrement dans la présence de Dieu, coram deo, comme on dit, devant Dieu. Son combat est premièrement devant Dieu. Verset 9. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. C'est devant Dieu, c'est devant sa face. Il cherche la face de Dieu, chercher la face de l'Éternel, dit-il. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. David se demande si tous les problèmes que Dieu lui envoie ne sont pas le résultat, finalement, peut-être, de la colère de Dieu. Ça nous arrive, nous aussi, d'être troublés par cette question. Dans l'épreuve, soumis à la pression, on se demande, est-ce que Dieu est fâché contre moi, ou bien est-ce qu'il m'a laissé tomber, où est-il, que fait-il? Et là, on a toutes les, toutes les remarques de Job qui nous reviennent en tête, non seulement ces questions, mais euh, ces remises en question de Dieu. Et en plus, ici, euh, nous voyons dans notre psaume que David vient de subir une lourde perte euh, émotive. Elles se disent, car mon père et ma mère m'abandonnent. Alors là, mes euh, parents, hein, ce sont ceux qui ont pris soin de nous, ceux vers qui on devrait pouvoir normalement se tourner pour trouver un appui, un encouragement, un lien de confiance là, aux parents, des modèles pour nous. Quelle perte quand ils nous font défaut pour l'une ou l'autre raison. Des parents qui divorcent, qui abandonnent leurs enfants ou qui refusent de comprendre leurs enfants, ou des parents qui décèdent un jour et qui laissent orphelins. Tout cela produit un profond sentiment d'abandon, de solitude, une charge émotive lourde. Et David ajoute, mais l'Éternel me recueillera. Mais l'Éternel me recueillera. Il a confiance. Il a un Père céleste. Il a grand besoin de ce soutien émotif, psychologique et spirituel qui est encore plus profond que le lien avec nos parents. Le Seigneur va prendre soin de lui. Quand David pose la question De qui aurais-je peur?, très certainement il connaît la dure réalité des épreuves, des épreuves multiples, nombreuses. Voyez, la puissance de Dieu est agissante dans l'épreuve. Dieu nous soutient dans la foi. Quelles sont vos craintes Quels sont vos peurs Dans les problèmes, problèmes conjugaux, familiaux, dans la maladie, avec nos fardeaux, les crises qui nous retombent dessus. Le Seigneur nous met à l'épreuve de multiples façons et je pense que nous tous pouvons en témoigner d'une manière ou d'une autre. Nous sommes des témoins, pas seulement des épreuves que Dieu nous envoie, mais de la fidélité de Dieu à travers ces épreuves. Nous sommes tous ses témoins. Et Dieu le fait Dieu envoie ses épreuves pour accomplir son œuvre en nous, son plan parfait, que nous ne comprenons pas, pas plus que Job ne comprenait. Il le fait pour fortifier notre foi et nous amener à dire avec confiance, De qui aurais-je peur Nous nous sentons faibles, indignes, insuffisants, mais comme dit l'apôtre Pierre, notre foi éprouvée par le feu est à la gloire de Dieu finalement et nous solidifiera. Remarquez bien la question. <laughs> David ne dit pas de quoi aurais-je peur, mais de qui aurais-je peur. Donc, c'est un ennemi qui menace, n'est pas une force aveugle, ce n'est pas le hasard ou le destin inéluctable qui nous tombe dessus. Ce n'est pas une force impersonnelle, c'est un ennemi intelligent, rusé, habile à fomenter ses mauvais coups. Un désir de, de, de violence, de destruction. Et donc, dans un sens, c'est plus difficile à, à, à affronter d'une certaine manière. Il y a une haine là, qui est derrière cet euh, cette ennemi. Quels sont les ennemis, nous, que nous pourrions craindre? Bien d'abord, le diable l'ennemi numéro un, redoutable, infatigable, c'est cet ennemi qui en voulait à David derrière tous ses combats, c'est le diable qui, qui était là. Le roi David avait reçu la promesse d'une descendance qui régnerait toujours sur son trône. 2 Samuel 7, alliance davidique, promesse d'un fils, d'un descendant toujours sur ton trône qui régnera. La promesse, en fait, du Messie sauveur. Jésus notre roi, dont nous célébrons la venue. Et donc, derrière Saül, derrière Absalom, derrière les Philistins, derrière tous ses ennemis de David, il y avait Satan qui s'organisait pour anéantir la promesse. Satan voulait bloquer, anéantir la promesse du Sauveur. C'était sa visée. Satan savait. Ce que Dieu allait faire depuis Genèse 3,15, depuis l'annonce de la promesse faite à Adam et Ève, ou la menace faite au serpent, en fait, d'une descendance de la femme qui viendrait l'écraser. Satan le savait et donc il combat, il combat David parce que David est porteur de cette promesse. On comprend alors pourquoi David avait tant d'ennemis qui en voulaient à sa vie. La haine était dirigée contre le plan de Dieu, contre le Sauveur à venir finalement, ultimement. Un grand ennemi voulait saboter l'œuvre de rédemption dont nous sommes les bénéficiaires. Mais béni soit Dieu, béni soit Dieu, la promesse s'est accomplie. Nous allons le célébrer encore cette année à Noël. Le Fils de Dieu est né il y a 2000 ans. Il a combattu lui aussi. Jésus connaissait parfaitement l'avenir, quant enfin, à lui l'avenir qui l'attendait. Et pourtant, dans toutes ses souffrances, il a démontré un parfait courage. De qui aurais-je peur Il pouvait très bien reprendre ce psaume à son compte, sans aucun problème. L'Éternel était le refuge de sa vie. De qui pouvait-il avoir peur Son amour courageux, un amour pour nous plein de courage, l'a conduit jusqu'à la croix pour nos péchés. Et bien sûr, l'ennemi a pensé pouvoir l'écraser, alors qu'en réalité, c'était la victoire de l'amour et de la grâce de Dieu qui s'accomplissait à la croix et qui a été démontrée ensuite par la victoire de la résurrection et par la victoire de sa montée glorieuse au ciel et par son règne aujourd'hui sur toutes choses. Il règne sur le trône de David. Satan a lamentablement échoué du début, j'allais dire jusqu'à la fin, mais jusqu'à aujourd'hui, et nous savons que ce sera jusqu'à la fin. Il est toujours notre ennemi. Il cherche encore à détruire l'Église par toutes sortes de moyens, larvé ou direct. C'est notre ennemi juré, mais notre roi au ciel nous rend capables de dire, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Parce qu'il est notre roi. Il est notre refuge. Notre deuxième ennemi, c'est le monde mauvais. Nous savons qu'il y a un conflit spirituel profond dans le monde. David le connaissait bien. Il savait à quoi s'en tenir. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a pas de Philistins à nos frontières pour venir nous envahir. Euh, Saül et Absalom ne viennent pas nous persécuter, nous pourchasser. Pourtant, le monde ennemi de Dieu... Est aussi ennemi de son Église. Et Jésus l'a très bien dit, nous a averti que le monde aurait de la haine pour ceux qui aiment le Seigneur Jésus. Ceux qui veulent vivre dans la piété, qui veulent suivre le Seigneur Jésus comme son disciple, comme ses disciples, seront persécutés à n'en pas douter. Je n'ai toutefois rien à craindre. Si l'Éternel est ma lumière, et mon salut, je n'ai rien à craindre. Si je vis dans sa lumière, dans la foi, dans l'obéissance, l'obéissance imparfaite, avec le pardon renouvelé et la grâce renouvelée, je n'ai rien à craindre. Il ne faut pas craindre les hommes, nous dit Jésus, mais plutôt craindre celui qui peut nous faire périr corps et âme dans la gêne. C'est-à-dire Dieu lui-même. Nous avons un troisième ennemi, notre nature pécheresse. Nous-mêmes, à l'intérieur de nous, notre péché, c'est notre ennemi aussi. Méfions-nous de cet ennemi, de notre propre péché. Ne nous confions pas dans notre propre force. Même si nous sommes des chrétiens solides, expérimentés, nous pensons euh, euh, être debout. Prenez garde, nous dit l'apôtre Paul, ne sous-estimons jamais la puissance du péché qui est encore en nous et qui peut se manifester, se déployer de toutes sortes de façons. Nous avons besoin de la protection de Dieu contre nous-mêmes. Nous avons besoin de prier pour cela. Nous avons le potentiel en nous de commettre les pires fautes, les pires transgressions. Et donc, Seigneur, protège-moi. Contre mon propre péché. David en a fait l'expérience douloureuse lui-même, n'est-ce pas Convoitise, adultère, mensonge, meurtre, déni. Il a fait une intervention spéciale du prophète Nathan pour l'amener à la repentance finalement. Nous avons absolument besoin de l'esprit de Dieu pour nous régénérer, mais aussi pour nous transformer, nous purifier, nous sanctifier petit à petit. Alors, trois ennemis redoutables, Satan, le monde et notre nature pécheresse. Et en plus, notre meilleur ami, Dieu, notre Père, nous envoie toutes sortes de difficultés et d'épreuves pour nous tester. Comment trouver le courage de dire comme David, de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? voyez, en mettant en perspective la, la situation ici, la, la profondeur de, de ces questions qu'il pose, questions audacieuses. Ce qui nous amène à la réponse victorieuse. Deuxième partie. La réponse victorieuse, la voici. L'éternel est ma lumière et mon salut. L'éternel est le refuge de ma vie. La réponse qui vient avant même la question. Le psaume donne d'abord la réponse. Ensuite, David pose la question. Pour être capable de poser une question aussi audacieuse, il faut d'abord avoir dans notre cœur la réponse. Et il faut d'abord avoir confessé avec foi l'Éternel et ma lumière et mon salut. Alors, de qui aurais-je peur? La réponse de la foi est première. Et si cette réponse brille dans nos cœurs et est exprimée dans nos bouches, toutes nos craintes finiront par disparaître l'une après l'autre. Et bien sûr, il y a un processus. Je ne suis pas en train de dire que David n'a jamais eu, de, de quelque manière que ce soit, aucune crainte dans son cœur. Il a dû apprendre, il a dû s'approprier cette confiance pour laisser place à la paix, à l'apaisement. Et de même en est-il dans nos vies. Nous avons des craintes, nous avons des, des soucis, des angoisses, on ne peut pas les nier mais que nous puissions apprendre à saisir la paix que Dieu veut nous donner. La réponse de David n'a rien de théorique. Sa confession vient d'une connaissance de Dieu personnelle et profonde. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Vous voyez, c'est très personnel. Il est le refuge de ma vie. David s'est approprié pour lui-même les promesses de l'Alliance qui étaient faites à tout le peuple de l'Alliance. D'ailleurs, je viens juste d'en parler, de parler de ce sujet au catéchisme, au groupe de jeunes adolescents. Euh, nous parcourons le catéchisme d'Adelberg ensemble, et c'est de cela dont on parle la question 21. Qu'est-ce qu'une vraie foi? Réponse: Ce n'est pas seulement une connaissance certaine par laquelle je tiens pour vrai. Tout ce que Dieu nous a révélé par sa parole, connaissance certaine de la parole. Oui, la foi, c'est ça, mais pas seulement ça. Mais c'est aussi, et j'aurais presque envie de poser la question à, à mon groupe de jeunes, mais je vais m'en abstenir. Mais c'est aussi une confiance du cœur. Confiance du cœur que l'Esprit Saint produit en moi par l'Évangile et qui m'assure pardon, qui m'assure que ce n'est pas seulement aux autres. Mais aussi à moi que Dieu accorde la rémission des péchés, la justice et le bonheur éternel, et cela par pure grâce et par le seul mérite de Jésus-Christ. Voilà la définition de la foi. Une connaissance certaine de ce que Dieu nous a révélé dans Sa parole, mais aussi une confiance du cœur produite par le Saint-Esprit qui m'amène à dire oui, c'est pour moi ces promesses de Dieu, ce pardon, cette grâce. Et donc, je peux dire à l'Éternel aimant la lumière s'approprier pour soi-même les promesses de Dieu. C'est absolument essentiel. Le Seigneur fait des promesses à tout son peuple, mais je dois arriver personnellement à dire, oui, ces belles promesses sont à moi pour ma vie et je m'en réjouis et j'aime l'Éternel, son 18, car il est mon roc. Si, si autrement nous restons indifférents à cette promesse, si nous rejetons en fait la parole de Dieu, eh bien alors nous attirons sur nous les malheurs prévus dans son alliance, les promesses de bonheur, les menaces de malheur, de malheur pour ceux qui demeurent incrédules. Suis-je capable de dire pour moi-même, l'Éternel est ma lumière et mon salut? L'Éternel, l'Éternel, Yahvé. C'est le nom du Dieu de l'Alliance, le nom révélé à Moïse, et le nom révélé à Israël. Je suis celui qui suis, a-t-il dit à Moïse dans le buisson ardent. C'est-à-dire, toujours le même, toujours fidèle à ses promesses, hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui avait promis le bonheur à Abraham a par la suite délivré son peuple. De l'esclavage en Égypte sur la base de ses promesses faites à Abraham. Puis, celui qui a fait entrer Israël dans la terre promise a donné à son peuple le repos et la paix à travers le roi David plus tard. Puis, celui qui a promis à David de faire briller son salut à travers sa descendance a merveilleusement accompli cette promesse au long des âges jusqu'à la venue du Fils de David, Jésus-Christ, notre roi. Et alors je peux dire oui, Jésus est ma lumière et mon soleil. Comment contrôler nos émotions, comment apaiser nos cœurs en nous appliquant à connaître l'Éternel et à saisir par la foi ses promesses en Jésus-Christ, grandir dans sa connaissance, comme David l'a fait. Ça devrait être notre priorité dans notre vie pour nos vies. Grandir dans la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, le connaître de mieux en mieux, lui faire entièrement confiance. Nous avons toujours besoin de réapprendre cette leçon. Avec amour, dans l'obéissance, dans la patience. Voilà le secret d'un cœur courageux. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Il est ma force. Il est digne de ma confiance. Je suis faible, souvent infidèle, boiteux. Lui, il est fort, fidèle, solide. Je manque de sagesse. Lui possède toute sagesse pour guider ma vie et me promet de la sagesse dont j'ai besoin si je lui demande avec foi dans mes épreuves. Tout est instable autour de moi. On ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Lui demeure inébranlable. Ses promesses demeurent solides. Pour ceux qui le craignent, il est le roc, le rocher. Éternel est ma lumière. Cette lumière réchauffe le cœur, éclaire ma route. Cette lumière m'est donnée par son esprit pour éclairer mon intelligence aussi et pour guider ma volonté. Je ne marcherai plus dans l'obscurité je serai je saurai comment m'orienter au milieu des obstacles. Où David a-t-il trouvé cette lumière? Regardez le verset 4. Un très beau verset dans tout ce psaume. Je demande à l'Éternel une chose, <coughs> une chose que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Voilà sa priorité. Bien sûr, le temple de Jérusalem n'était pas encore construit hein, au temps de David. C'est son fils Salomon qui l'a construit, mais le mot temple désigne aussi le sanctuaire portatif qui était déjà construit bien avant, à l'époque de Moïse. Donc, David pouvait très certainement utiliser ce terme ici. Il connaissait ce temple, ce sanctuaire. Quel est le plus grand désir de David? Avoir une plus grande armée? Avoir des moyens d'assurer la sécurité de ses frontières? Non. Son plus grand désir, c'est d'habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Voilà sa sécurité. Voilà où se trouve notre sécurité à nous aussi. Et que se passe-t-il dans cette maison de l'Éternel? Eh bien, les tables de la loi sont conservées dans l'arche de l'Alliance. La parole de Dieu est lue et elle est enseignée. C'est là que se trouve la lumière dans sa parole, la lumière prêchée, enseignée, méditée. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Prenons-nous le temps, prenons-nous le temps de lire, de méditer sa parole personnellement, en couple, en famille. Prions-nous comme au verset 11, éternel, enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier de la droiture, une prière. Ici, une vie de prière, aujourd'hui quand l'Église se rassemble pour le culte public, comme maintenant. C'est l'événement le plus important qui puisse se produire sur la terre entière. Le plus important qui puisse se produire sur la terre entière. C'est la rencontre entre le ciel et la terre. C'est l'endroit où la parole de Dieu est lue et prêchée. C'est l'endroit où on peut refaire des forces et retrouver une confiance en Dieu. C'est là où Dieu révèle sa beauté, sa splendeur dans la proclamation de l'Évangile et dans la réponse d'adoration du peuple de Dieu. Faisons-nous de ce temps d'adoration ensemble notre plus grand désir, notre précieux trésor. Ne prenons pas à la légère la puissance de sa parole. C'est elle qui nous rendra forts. Et courageux. C'est elle qui nous amènera à dire avec confiance, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Que se passait-il encore autrefois en Israël, dans le sanctuaire de l'Éternel? On y offrait tous les jours des sacrifices d'animaux à répétition, continuellement. Et pour être honnête avec vous, le sang des animaux égorgés n'a rien d'attirant n'est-ce pas? Je suis très content qu'on ait plus à faire ça aujourd'hui. Qu'est-ce que David pouvait donc y trouver de si désirable, de si délectable? Eh bien, ces sacrifices étaient délectables dans le sens que c'était déjà l'annonce de l'Évangile. C'était, on pourrait dire, les previews du pardon des péchés en Jésus-Christ. C'est là que David trouvait sa sécurité, voyez-vous, dans le message de la croix déjà préfiguré par ses sacrifices d'animaux. C'est là que se trouve notre sécurité, dans le sacrifice parfait de l'agneau à la croix. <coughs> la communion avec Dieu par le sang de l'agneau. La paix avec Dieu par la réconciliation, par son sacrifice. On comprend alors pourquoi David se réjouissait tant d'admirer le sanctuaire de Dieu à cause de ce qui s'y passait à l'intérieur. Il venait contempler la beauté de l'Éternel, la beauté de sa grâce et de son pardon à travers ses sacrifices. C'est là qu'il trouvait sa sécurité au milieu des dangers. Je, 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 il y a une chose que je veux absolument, c'est être là toute ma vie. Verset 5, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher. Alors oui, l'Éternel est mon salut. Voilà ce que je peux dire lorsque je, je viens et vis dans ce... et déguste de ce que signifie ce, ce sanctuaire. L'Éternel est mon salut. Il me délivre de ma misère et de mon péché. Il me protège au jour du malheur. Il vient de me chercher au plus creux et il m'élève sur un rocher. L'Éternel est le refuge de ma vie. Il est ma force, il me donne l'endurance, il me défend, il me protège, il me rend capable d'avancer. Voyez-vous maintenant pourquoi David est sans crainte On comprend mieux maintenant. Il a des raisons solides qui le rendent capable de dire, de qui aurais-je peur L'Éternel est ma lumière et mon salut, le refuge de ma vie. Faisons de cette belle et précieuse parole notre confession de foi personnelle, chaque jour. C'est l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Il nous unit à Jésus par la foi. Son Esprit nous amène à dépendre de lui entièrement. Il veut notre amour, notre obéissance, notre cœur libéré de toute crainte. Prenons le temps cette semaine de trouver en lui cet apaisement. Voilà pourquoi il nous envoie des difficultés, des épreuves, des maladies, des conflits, des contrariétés, des virus, pour nous mettre à l'épreuve, pour que notre foi devienne plus solide, plus vigoureuse, plus authentique. Il nous couvre d'obscurité pour que nous reconnaissions que lui est notre lumière et pour que cette lumière jaillisse dans l'obscurité. Il découvre la misère de nos péchés, il découvre euh, toutes nos faiblesses pour nous montrer qu'il est notre force, notre salut. Il nous fait voir nos faiblesses pour nous faire accourir vers la force de son refuge. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Et enfin, verset 14, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. Amen.